Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous faire la présentation des meilleures applications que vous pourrez installer sur vos Android TV ou bien les Google TV afin que vous puissiez télécharger ou bien faire le transfert de fichiers des applications depuis votre PC, votre téléphone directement sur l'Android TV. Comme ça, vous allez avoir la facilité d'avoir vos fichiers directement sur l'Android TV, sans le câble, sans rien du tout, sans se casser la tête. Donc, mes amis, pour connaître les applications qu'on a choisies aujourd'hui pour vous et qui sont parmi les meilleures applications actuellement, restez avec nous. On vous revient juste après. Donc, mes amis, on va commencer par la première application, c'est SendFilm2TV. Donc, l'application que tout le monde connaît, bien sûr. On a déjà fait la présentation de l'application. Pour l'installation, c'est très facile, mes amis. Il vous suffit d'aller sur le Google Play Store. Et bien sûr, toutes les applications qu'on va vous faire présenter aujourd'hui, elles sont disponibles sur le Google Play Store. Vous allez chercher sur votre Google Play Store Send Fil et comme vous le voyez, elle est ici. Donc, vous choisissez l'application et puis vous cliquez sur installer et bien sûr accepter toutes les autorisations que l'application va vous demander afin que elle va fonctionner comme il faut. Donc, ça, c'est la première application. Deuxième application, mes amis, c'est CS Explorer de fichiers. Donc, c'est un explorer des fichiers où est-ce que vous allez pouvoir accéder à vos téléchargements directement ici, aux applications comme vous le voyez ici, et au stockage de votre Android TV comme vous le voyez ici. Vous avez aussi la bibliothèque pour pouvoir visionner vos images, vos fichiers audio, vidéo, documents, et bien sûr, vous pourrez avoir un accès au réseau, donc accès par réseau. Il suffit juste de cliquer sur démarrer et de mentionner ce qui est indiqué devant votre écran sur votre PC, comme c'est expliqué juste ici en bas. Troisième application, bien sûr, qui ressemble à celle qu'on vient juste de mentionner, et c'est la meilleure, bien sûr, elle a plein d'options, c'est Explorer, Film Manager. Donc, ouvrir, donc, comme vous le voyez, il y a pas mal de trucs, pas mal d'options que vous pourrez faire avec cette application. Comme vous le voyez, vous pouvez faire le LAN, donc ajouter un serveur LAN, ajouter un serveur FTP ou bien ajouter un serveur de votre stockage web, transfert de fichiers via SSH, partage de fichiers via Wi-Fi, il prend en charge aussi le DLNA. Comme vous l'avez vu, mes amis, il y a pas mal d'options que vous pourrez utiliser afin d'accéder à vos contenus, que ce soit en local, sur votre réseau local, bien sûr. Et vous avez de l'autre côté, vous avez la gestion des applications, donc les applications installées ou bien du système. Si je clique sur les applications du système, il va m'afficher toutes les applications de mon système. Et puis, je pourrais faire des changements, désinstaller, installer les applications du système, mais ça, je vous conseille de ne pas y toucher si vous ne savez pas ce que vous faites. Et bien sûr, vous aurez aussi accès aux applications installées, comme celles qu'on vient d'installer, par exemple, SendFilm2TV, Explorer, Downloader. Donc, vous pourrez avoir accès. Donc, je vous conseille vivement ce Film Manager, Explorer Film Manager. Il est très, très, très bien. Et à la fin, ce que vous ne pourrez jamais laisser tomber, c'est Downloader. Il est vraiment très, très utile afin que vous puissiez télécharger des fichiers à travers les codes. Comme vous le savez actuellement, il y a pas mal de gens qui donnent des codes sur Internet pour télécharger tel ou tel fichier ou application, bien sûr. Donc voilà, mes amis, ces applications sont vraiment très, très, très utiles si vous les avez sur vos Android TV. Donc, vous avez SendFilm2TV. Et vous avez le choix entre CS Explorer des fichiers ou bien Explorer Film Manager. Moi, je vous conseille, si vous êtes vraiment, si vous avez des connaissances avancées, utilisez Explorer
Explore Field Manager. Bien sûr, Downloader, ça, c'est quelque chose de très, très, très utile afin d'avoir accès aux applications qu'on peut télécharger ou qui sont partagées par des codes par plusieurs personnes. Et bien sûr, sans oublier le browser qu'on a partagé avec vous dans notre dernière vidéo. Donc voilà, mes amis, essayez toutes ces applications. Je suis sûr qu'elles vont vous aider dans votre vie quotidienne afin de bien gérer votre Android TV, que ce soit pour le partage ou le téléchargement de fichiers. Donc voilà, mes amis, c'était juste une petite vidéo afin de vous partager ces applications que j'espère elles vont être intéressantes pour vous. Si c'est le cas, mes amis, n'oubliez pas de liker la vidéo et bien sûr de partager votre avis selon chaque application que vous avez déjà testée. Autrement, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne et d'activer les notifications afin de recevoir les nouveautés. Merci à tous et au plaisir de vous revoir.